Bonjour à tous, comment ça va tous? D'accord? Et toutes! S'il y a des meufs avec des gros nichons. Bref! Regardez-moi ces putains de jambes! Les gens, ils osent dire Marvel, jambes de coq. Regardez-moi ces putains de jambes! À l'époque, je poussais comme un bœuf. À l'époque, on me voyait, on me disait, mais non, c'est une délire. Hein? Ça vous impressionne, hein? Eh ben, cette photo est fake! Oui, je l'assume. Marvel, tu nous as donc menti, escroc. Non, j'avoue, pour être honnête, je l'admets, cette photo, j'avais augmenté le volume des jambes. Alors il faut savoir qu'avec cette plateforme, tu pourras aussi faire du rowing, tu pourras faire du floor press, tu pourras faire de la gymnastique, tu pourras dormir dessus, tu pourras chier dessus, bref, pour 100 balles, tu peux vraiment faire plein de choses avec ce truc. Excuse-moi, Saint, je me liquéfie là. Et je me décompose. J'ai jamais vécu ça avant. Je te jure. Ça fait du bien. Oui, ça fait mal aussi. Je me repose un peu, d'accord? Repose-toi un peu beaucoup même. Et toi, ça va? Moi, ça va, oui. Super. Qu'on trouve les femmes musclées jolies ou pas jolies, on ne peut pas lui enlever qu'elle avait vraiment un physique incroyable. La vérité, je suis sûr qu'elle était deux fois plus musclée que moi. Hé, je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. C'est la vérité. C'est la vérité. Écoute, parenthèse, hein. Quand j'arrive dans le studio du tournage, tu sais, le studio vert que j'avais loué à Paris, là, j'avais partagé 2-3 snaps sur Insta, le patron des lieux, il m'a vu arriver, il m'a dit « Monsieur, je n'y connais rien à la muscu, mais je me dois de vous féliciter pour votre physique. » Quand un random te dit ça, gros, c'est que l'objectif a été atteint. Bien joué. Les 6 exercices que tu ne dois pas faire ou continuer à faire, malgré que certains youtubeurs fameux vont te dire de le faire. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il a des veines en dessous du nombril, là. Parce que c'est clair que même si on arrête d'en prendre quand on a été dopé une fois, voilà, ou en tout cas si on a fait des cures auparavant et qu'aujourd'hui on arrête, même si on se dit nati, il y a quand même eu un petit coup de boost à un moment donné, faut pas se mentir. C'est bien. Voilà, champion. Demain, je viens pas. Il m'en bat les couilles, demain, je viens pas. Il va m'assassiner, lui, là. Leur vie, elle est basée sur le physique. Je veux devenir balèze pour gagner des concours, gagner ma vie avec. Mais si t'as un mec lambda qui le fait, juste pour, je te dis, rien que pour aller, si c'est pour aller galocher des belettes ou des raclos, parce qu'on est rentré dans un autre monde, tu lui dis, le mec, il est taré. Rotation externe avec les haltères. Apparemment, c'est un super exercice qui renforce la coiffe des rotateurs, spécialement l'infra-épine. Apparemment, hein. Mais là, tu te plantes comme la plupart. Je faisais partie de la plupart. À la boulette. Mauvaise nouvelle, par rapport à la gravité et les rotations externes, les haltères, ils vont causer plus de tension envers le biceps au lieu de l'infra-épineux et le deltoïde postérieur. Oh, désolé. C'est quand je travaillais chez Kakes, j'avais perdu 20 kilos et j'avais dit au mec avec qui je bossais, je dis là, je vais me remettre à la muscu, vous allez péter un câble, je vais devenir balèze. Parce que à la base, je suis balèze. Le mec dit ouais. Donc j'avais renvoyé les produits, la totale, et en un mois, j'avais repris tous les kilos que j'avais perdus. Tu vois, et donc j'étais redevenu moi. Et voilà, tu vois, c'est hyper intéressant. Là, gros, j'ai tout donné, hein. Tous mes collègues qui me suivaient sur Insta, vous avez vu, hein. Tous les jours, Hito, Conjac, zéro cheat meal, entraînement d'enculé, diète calculée, zéro écart. J'étais un malade, gros. Mes potes, ils m'appelaient, je leur disais, nique ta mère. Je dois manger mon Conjac, casse-toi de là.
Le bodybuilder le plus tatoué au monde. Ce bodybuilder vient de Russie. Il est né en 1985. Il a donc 37 ans. Il mesure 1m83 et pèse 109 kg. Il a son corps tatoué à 90%. Mais vous remarquerez que ce n'est pas un tatouage comme on a l'habitude de le voir. Il n'y a que son visage qui n'est pas tatoué en noir. Quoique, il est un petit peu tatoué au niveau du visage, mais pas colorié en noir. C'est le petit Ajonche. Enfin, c'est le grand Ajonche. Hein. Lorenzo Baker, c'est le grand Ajonche. Je me souviens de ses vidéos, il disait « Ouais, Lorenzo, il m'a tout appris, il m'a appris ça, ça, il m'a appris même ça !» Non, je rigole. Non, je décale. Genre, je m'en voudrais pas. Des petites vagounettes. Il l'aura pas volé. Ça, c'était gratuit. Ta tête. Recette, oui, encore. Ta tête droite. Il est là pour t'aider. Ça lève plus. Il est là pour t'aider. Je vais claquer, là. Je leur dis, je suis désolé mon pote, on fait pas un concours de chibre. Et, mais encore, si on faisait un concours de chibre, toi qui prends des stéroïdes, tu vas voir que ta queue, elle est bien plus petite que la mienne. Mais en vrai, j'ai davantage la physique de youtubeur maintenant, le bâtard. Ah, allez, va le faire du. Tu vises qui? Dis les termes. Ah, je suis mort. Il veut nous fumer. Continuez la muscu, ne lâchez pas. Si vous êtes en sèche, ne lâchez pas. Regardez toutes mes vidéos épopées, il faut battre. Il faut battre. Faut pas abandonner, mon con. Le body fat, c'est de la merde. Il faut l'enculer. Les body fat supérieurs à 14% doivent être éradiqués de cette planète. Et on me dit souvent aussi, ah oui, mais j'ai peur d'être fatigué. Ben, heureusement que tu veux être fatigué, mec. C'est extrêmement crevant, la musculation, à un certain niveau. C'est éreintant, la musculation. Avoir un gros physique, être massif, mais c'est un full time job, c'est super fatigant. Nous avons à côté de nous une ceinture de chasteté pour hommes. C'est pas que pour les femmes, c'était aussi pour les hommes. Le but était d'empêcher les hommes de se masturber. Jusqu'au 20e siècle, la masturbation est considérée comme une maladie, voire même un péché. C'est un délire quand même. Les stéroïdes, c'est de l'oseille. Ouais. C'est de l'oseille, tu vas ruiner ton derche pour une période de ta vie qui va pas durer vraiment longtemps. Donc je pense que économise, fous dans le bitcoin, et ça sera mieux, tu sais. Deviens milliardaire et puis bute-toi après la santé, c'est t'as que ça à foutre. Vous aussi vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Ah! Merci Geek and Fit et Chronique de la Douleur pour les conseils. Soulever de terre d'oron, je me flingue bien, super, merci. Oui, regardez, il y a des champions qui font d'oron. Bah oui, Ronnie Coleman, on a bien vu. On a bien vu, il s'en sort très bien, hein. Super, ça a bien marché. Cette semaine, j'ai fait les pecs, les biceps, les épaules, les triceps. Il me manque les Oh non. Oh, Thibaut? Oui? C'est l'heure. Ne me dis pas que c'est le jour des jambes. Si. Mais tu m'as dit qu'on pouvait arrêter de les faire. Non, on peut plus les louper. C'est fini ça. Mais j'ai pas envie d'y aller. Arrête! Arrête, je te dis! On pourrait faire les biceps plutôt. Ça suffit. Mais je peux pas les faire. Mes cuisses, elles sont qu'à contact.